Bon, et du coup, ce temple est terminé. Thank you for coming. On va faire tout de suite le worship, hein, comme ça on n'oublie pas. Et maintenant, on va avancer dans l'histoire, donc on va modifier notre équipe. On va modifier les gens qu'on aime bien. Il est temps de revoir leur job et tout ça. Première chose qu'on va voir déjà, c'est l'équipement qu'on vient de gagner. On a une Divine Armor ici, Congo Armor. Alors il y a moins de Magic Death, plus de défense tout court, un peu plus d'évasion. Reflect Damage 20%. Nightfall Armor, Survive, Unstatus, ouais. Parce que les deux sont bien en fait. Les deux sont bien. Je m'attendais à un truc où je me dise, y a pas de doute quoi, mais finalement, je ne sais pas trop. 50 en speed, bon là il perd beaucoup de vitesse. Elle peut pas la porter. Ouais, je me demande. Parce que là, il a beaucoup de vitesse, mais ça ferait quand même un gain assez ouf de stats. Je pense que je vais lui mettre ça. Hein. Tant pis pour sa vitesse. Ok, alors, les jobs. Kaguya nous intéresse. Kaguya nous intéresse, mais on va commencer par un truc facile. Ici, on veut avoir... Alors, attendez, je vérifie juste, je mets Shit Twist d'abord pour comparer avec Maiden. C'est un peu moins de défense, mais beaucoup plus du reste entier. Beaucoup plus de tout le reste. Donc, allons-y pour Maiden. On va mettre en Maiden Shintoist, je pense. Maiden Shintoist. Ensuite, les autres persos qui nous intéressent. Inaba, au final, on l'a pas utilisé. Ici, Shinobi, c'est bien, en vrai. Donc, Shinobi, je vais le garder en sub ou en main. Derrière, qu'est-ce que je choisis d'autre? Là, j'ai mon bon bof. On a Herculean en Advanced. Donc c'est plus de force, blabla. Mais moins de précision. Je pense que je vais le laisser Shinobi en vrai. Il gagnerait beaucoup en défense par contre. Mais en précision, il perd beaucoup là. Je vais le laisser Shinobi. Je vais le laisser Shinobi. Par contre, magicien, je pense que je vais le bouger. Samouraï, Herculean, Monk. Monk, je pense pas. Samouraï ou Herculean en sub-job. Ou alors je lui... Enfin, c'est vrai qu'avec Shinobi, je fais full murder tout le temps, donc je peux lui permettre d'apprendre des trucs, hein. Si je veux avoir des coups d'un autre job, je peux. Je vais mettre un cantor, je pense. Il va prendre des trucs d'un cantor au fur et à mesure. Ici.
Ici, elle est célestiale shintoïste. Je pense qu'elle peut le rester en vrai. J'aime bien Incantor ou Confucian. Je vais laisser shintoïste. On va lui mettre Confucian. Bon, alors je laisse Confucian chez Nazaka vu qu'elle est encore en train de l'apprendre. Avantage d'avoir deux jeteurs de sorts, c'est que je peux faire un peu de roulement entre les deux. Je peux le laisser Célestial en fait. Laisser Célestial. Là je peux laisser Confucian. Notre Shintoïste. Lui par contre, je repasse en Herculienne. Et en Subjob. Mes priests. Il n'y a pas grand chose avec lesquels jouer. Et enfin, Kaguya. Kaguya, elle peut faire le monde entier à peu près. Hein. C'est... Elle n'a pas de limite. Qu'est-ce que j'ai envie de lui donner comme coup? Maiden, Barrier East. Avec ça, il y a de meilleures stats. Meilleures stats avec ça. Restons Shinobi. Et par contre, je vais lui mettre Shintoïste. Ou Maiden en sub-job. Parce que j'ai beaucoup de Shintoïste déjà. Histoire d'avoir du support. Ok. Au niveau des skills. Parce que ça, le truc, c'est qu'elle a rien pour le moment. Full Murder, c'est de la balle. Globalement. Donc on va maxer Full Murder. Parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Derrière j'avais Warrior. J'avais des points aussi. Voilà, c'est Bastard pour Warrior. Ensuite, ici, Shintoïste, faut que j'apprenne des trucs, sinon ça sert pas à grand chose que je le mette. À savoir le Healing Ritual. Ça. En Confucian, donc Yomi c'est bon. Je l'ai, c'est de la balle. Les bons petits buffs. Ici en Shintoïste, on est un peu plus avancé. On va améliorer le Lustrum. On va mettre du Remove Curse.
en célestial. Fait gagner quelques niveaux sur différents sorts. Ici. On se met bien. C'est Master. Bon là j'avais des points, mais on s'en fout un peu de magicien en vrai. Ok. Derrière. On va utiliser. Et ici. Ici il y avait du Warrior, on s'en fiche un peu. Ouais, le Master c'est deux trucs hein, de toute façon. Ok, derrière. Sur les passifs. Proficiency plus, j'en ai plus besoin pour elle. Parce que je sais quel rôle je vais lui donner. Ça me libère un slot. Status recovery déjà. On va mettre ça. Ensuite, Jean-Jacques, lui, il a encore proficiency plus qui a un sens. Donc c'est cool. Là, c'est encore du sens. Elle est niveau 84. Ce qui est fort bien. Est-ce que j'ai un truc intéressant en dehors d'XP plus ou pas? Status recovery. Dit pour. Ah, c'est niveau 1, c'est pas ouf. Résistance aux différents statuts. Ça me paraît bien. Ici, pour je ne sais plus s'il fait plus vraiment sens. ...50% de chance. Status recovery. Ah. C'est plutôt intéressant. Ici, oui. Oui, ça, savoir, c'est la vie. Là, je pense qu'on peut se permettre d'effet. Reduce the amount of purity gain. Ok. Ça, je peux faire très très mal. Faisons ça. Et maintenant au niveau de l'équipement. On va rester sur l'arc. Ça. Elle avait quoi? Elle avait le silk, c'est ça? Je sais plus ce qu'elle avait. Là-dessus, elle avait... Flûte of refuge, là. Hein? Exactement. Ce qu'on vient de dire. Ça, j'imagine. Ensuite, ici, on est repassé sur Herculean. Donnez-moi votre meilleure épée, hein, globalement. Ça a l'air bien. Ici. Défense plus 10. Un peu moins de défense là, mais par contre
Modify status effect. Pense que ça vaut le coup. Demon Helmet. Divine Armor. Yatam Mirror. Eternal Shoes, je pense. Faut qu'il ait un minimum de speed. Ici, il n'y a pas de changement. Ici. Le bon staff. Vraiment, la dague est mieux. Défense physique, survive plus 10. Et là, c'est quoi? MP plus 50, knockback plus 25%. On perd 10 points de défense, quoi, globalement. On va prendre la dague. Hein. Ensuite, le chapeau. C'est mieux, je pense, hein. Oui. Le bon collier. Aim evade. Elle est unarmed. T'as un peu de aim avec ça. Mais elle gagne la magic attack, donc bon. Ça nous remplit le cœur de joie. Putain, c'est plus lui qui a la Okami ? Ah, il y a Nightfall, lui. Okay. Speed, plus 50. 151. Ouais. Commence à dater un peu. Hein. La Okami bidule. Ok. Ça m'a l'air pas mal. On va tenter avec ça. Donc moins de points de job, moins de formation basée sur l'apprentissage. Mais on l'espère, une efficacité qui nous permettra de moins subir par rapport à ce qu'on a eu contre le renard là.